Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain vient une nouvelle fois d'infliger une défaite absolument incroyable, humiliante à une équipe de la Ligue 1. Une équipe remplie de pères de famille vient de se faire littéralement balader, humilier, insulter, tracher au visage sur le terrain de foot, comme si eux n'étaient pas des joueurs de foot. Alors qu'on va pas se mentir. Les Toulousains se sont bien battus ce soir sur le terrain. Oui, ils couraient partout, on dirait qu'ils allaient gagner. On dirait que leur nom de club, c'était pas Toulouse ce soir. On aurait dit qu'ils allaient se transformer en Touwin. Ben oui, parce que quand tu dis Toulouse en anglais, ça veut dire tout perdre, everything, you lose everything. Donc change le nom de ton club, appelle-toi Touwin. Tu penses qu'en t'appelant Toulouse, tu peux recevoir le Paris Saint-Germain avec Lionel Messi? Neymar, Kylian Mbappé, Ramos, Vitinha, Verratti. Oh là là, et j'en passe. J'en passe. Que des joueurs de qualité mondiale. Et tu penses que tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Trois balles dans vos têtes. 3-0. Et en plus, si tu regardes le match là, on aurait dû vous mettre au moins 8 ou 9-0. Un petit score de tennis, ou de basket, ou de rugby, ou de football américain, ou même de volleyball. On aurait dû vous exploser, mais votre gardien, là, il s'est trop entraîné. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est entraîné, je ne sais pas ce qu'il a mangé dans la journée, en tout cas, le régime qu'il a eu, il va falloir nous dire, parce que là, là, il a arrêté trop de frappes. Des frappes de Neymar, des frappes de Messi, des frappes de Kylian Mbappé. Bon, après, on va pas se mentir qu'en ce moment, il y a un marabout qui est un petit peu sur les côtes de Kylian Mbappé. Bon, il n'y arrive pas trop, hein, parce que vous voyez, hein, vous avez vu comment il est nul ce marabout. Vous avez vu. Nous, on croyait que Kylian Mbappé allait commencer une dégringolade. Il n'en est plus marqué pendant quelques temps. Vous comprenez? Nous, on pensait que le marabout de Pogba, il était efficace. Là, Kylian Mbappé vient de rouvrir son compteur. Vous entendez? Kylian Mbappé vient de marquer. Donc vos histoires de ouais, il est ensorcelé, Kylian Mbappé, dans quelques temps, il sera comme ci, il sera comme ça, faut arrêter. Arrêtez tout de suite. Parce que ce que vous faites là, ça ne sert strictement à rien. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous, au Paris Saint-Germain, on a du talent. Vous comprenez? Ça veut dire que vos petites bavioles de je sais pas quoi, oui, lui, il a dit ça sur un tel et tout, ça c'est bien pour les médias, ça vend un petit peu. Mais nous, là, on vient sur le terrain, on montre aux équipes de la Ligue 1 qu'il faut nous respecter. Tu comprends? Parce que là, les Toulousains, ils vont rentrer chez eux. Ils vont tous dormir dans le canapé. Tu penses que quoi? Hein? Demain, là, l'enfant, il va dire, parle pas avec moi à son papa, bien sûr! Ou sinon, j'appelle Messi et Neymar, il va lui dire. Mais oui, là, il n'y a que le gardien toulousain qui a beaucoup de mérite. Parce que là, franchement, s'il n'était pas là, oh là là, vous alliez commencer à changer de métier. Bon, moi je me mets au handball, bon moi je suis facteur, bon moi je suis boulanger, bon moi je suis ingénieur, bon moi je suis... Allez hop, allez Toulouse! En tout cas, bien joué, hein, parce que vous êtes battus. Vous nous avez un petit peu poussé dans nos retranchements, mais on vous a quand même explosé littéralement. Donc force à vous pour la suite. Ça fait du bien de revoir Toulouse en Ligue 1. Ouais, mais quand vous voir en Ligue 1 pour vous faire fracasser comme ça, ouais, changez de nom. Hein.